50 pages 0 défaite épisode 4. Comme d'hab, merci beaucoup à Jérémy, Viana David, Bob Zouz, Flo 9, joueur tyran du 34 et Pontalouis pour leur don pour l'assaut Petit Prince. Vous gérez de fou, on est pour l'instant à 250€. Si à la fin on pouvait atteindre 1000, ce serait génial. Mais bon, c'est aussi à moi de bien jouer. Allez, let's go. 10e match. Si je gagne le prochain match, ou si je fais match nul, on aura fait un cinquième du défi quand même. C'est quand même un point à noter. Felipe Melo, tu veux signer un contrat? Bah signe ton contrat, vas-y, fais-toi plaisir. On augmente, comme d'habitude. Oui, ils demandent que des augmentations de toute façon, depuis qu'on joue bien. On joue contre Taylor SC. De toute façon, maintenant c'est ça. Hein. Maintenant c'est ça. Faudra peut-être espérer. Ah d'accord, peut-être qu'il y a une équipe pourrie. Non, que du sang de collectif. 100 collectif. Chemistry. Oh! Oh putain, c'était pas mal. Ce centre fort tendu. Ça c'est du ballon lobé ça. Oh la chance, lui contrôle. Allez les gars, attention. Ouf, c'était chaud, attention. Oui. Le but de Koulibaly de la tête. Alors j'ai joué le corner en deux temps, c'est très très rare que je fasse ça. Je me suis dit je vais le faire, histoire de... Et ça rentre, 1-0. C'est qu'elle a été au feu. Perisic. Allez, tire. Oh putain, c'est horrible comme ça, et ils peuvent pas tirer, on dirait qu'ils sont paralysés. Ouais. Giroud immobile et le centre. Il y a personne encore une fois. J'ai eu une nette domination là en fin de première mi-temps. Il y a 1-0 pour moi, c'est mérité. Vu les statistiques, il a encore pas frappé au but de manière cadrée. Mais attention, c'est quand même un bon adversaire. Perotti. Ouf. Perotti. Le râteau, la frappe. 35 en 30. Diego Perotti, toujours présent. Monsieur l'arbitre, il va falloir qu'il se calme. Il suffit qu'il gronde et oui, carton rouge. Carton rouge direct pour Nicolas Otamendi. C'est gagné. On a réalisé du coup un cinquième, comme j'ai dit, du défi. 50 matchs, 0 défaite. On a fait 10 matchs, 10 victoires. On est bien parti. Mais attention, parce que là, vraiment, les matchs commencent à être de plus en plus difficiles. Et je pense que... Ouais, je pense qu'il va y avoir des émotions qui vont arriver très très vite dans les prochains épisodes. Peut-être même dans celui-ci. Allez, on a encore des matchs, il faut jouer. Bien joué, hein, Diego. Super. Petit jeu rouge, quand même. Hein. 11e match. Oh my god. Que fait-il en Division 8? S'il joue bien avec cette équipe-là, ça peut être très difficile. Allez. On lève pas maintenant, je vous le dis, moi. Faut marquer vite. Je sais pas si leur jeu, je sais pas. Il est pas hors jeu, Saponara. Franchement, heureusement que j'ai continué à jouer parce que j'ai vraiment cru qu'il était hors jeu. Mais dans les épisodes précédents, je m'étais déjà fait avoir, j'avais arrêté de jouer alors qu'il n'y avait pas hors jeu. Ah, je suis content. C'est bien de commencer comme ça. Cuadrado. La passe. En retrait. C'est magnifique cette action. Oh la vache. Non. Oh. Pedro m'a laissé sur place. J'ai rien pu faire. Oh oui, allez. Ah, Pedro, il est intenable. Ça, c'est un beau tacle. Bien joué. Oh my god. Sur ce défi, les gars, faut aussi de la chance. Hein. Que la chance soit avec toi. Sinon, c'est impossible. Mais là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Allez. Ah. Non. Comment tu peux louper ça, Muriel? Cuadrado. Le centre. Oh. Arrêt poteau. C'est quoi ce match? Je sens qu'un arrêt bon, donc faut marquer. Il va faire la différence, Saponara. Le centre. Oh là 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 là. La sortie Superman. On l'appelle comme ça dans le jargon. Attention. Oh. Oh là là. Il a des joueurs très rapides. La moindre erreur est ses buts. Enfin, ses buts. En tout cas, c'est action dangereuse. Attention. Oh, gardien. C'est quoi ces matchs? Il tire bien, il tire vraiment bien. Bah, il y a pénalty. Bah oui, parce que je veux dégager. Je veux dégager. Merde.
Tu crois que je suis un enculé? Tu crois qu'il m'aura comme ça, mon pote? Vous savez comment j'ai deviné? Il a allumé le micro pour me narguer. Et quand un mec il allume le micro pour narguer, c'est qu'en fait il a vraiment envie de te narguer, il a vraiment envie de t'humilier. Je me suis dit, bon, il y a des chances qu'il fasse une panenka. C'était le cas. Et ouais, t'as fait le malin avec moi, mon pote. Tu vas le regretter, t'auras dû jouer sérieux. Parce que les penalties, c'est quasiment inarrêtable qu'on s'est bien tiré. La passe, non! Mais pourquoi il tire sur lui? Pourquoi il tire sur le gardien? Je m'en bats les reins, tu peux dire ce que tu veux. Je vais te battre, mon pote, je vais te battre! Non, les gars! Pour quel deuxième? Mais non! Mais Felipe Melo! Tiens! Eh ouais, c'est normal, depuis tout à l'heure j'ai les actions, j'ai vendangé dans ce match. C'est Thierry Mobilet qui rentre à passe de Muriel et y a pas photo quand même. Hein. Mobilet qui est quand même largement meilleur que Muriel. Hein. D'ailleurs Muriel, j'ai vraiment un peu du mal avec lui, parce que à part être rapide, y a pas énormément de choses, je trouve, personnellement. C'est pas le genre d'attaquant que j'aime bien. Enfin, ça va être du bien, parce que ce match, il fallait le gagner et l'adversaire est bon, c'est le meilleur adversaire qu'on ait rencontré depuis le début. Enfin, je me suis pris une barre à un moment crucial, hein. J'aurais pu me faire égaliser. Et le penalty aussi, hein. Faut pas l'oublier. C'était quand même un match très compliqué. 2-0, c'était très chaud. J'ai eu un peu de pression, j'avoue, là, pour le 11e match. Allez, après ce match un peu spécial, on passe maintenant au 12e. On va essayer de rassurer un peu tout le monde. Apparemment, il est bien Dortmund, il a le logo, il a les deux maillots. Trois joueurs de Dortmund. Müller Gomez, attention, de la tête, ça va être très très fort, là. Est-ce qu'il va la relancer? Ouais. Oui, j'avais lu. J'avais marqué tout dans le match, c'est parfait. Attention, oh là là, il y a eu une incompréhension. Oh là là là, c'était bizarre ce qui s'est passé. Oh putain, il y a pas hors-jeu. Ah, je sais pas ce qu'ils ont les gens là, mais ils louent beaucoup. Ah, c'est Mustafi. Ah non, arrêt du gardien. Waouh. D'accord. Attention, il est fort. Il est pas mal. Bien joué ça. Allez. Oui! La contre-attaque parfaite! Avec le but en reprise de volée pour terminer, s'il vous plaît! Saponara! Elle est belle la contre-attaque, hein! Ça paraît simple, mais faut pas craquer! 2-0 alors que le mec semble vraiment bon! Je commence vraiment à devenir un tueur devant le but avec cette équipe, et ça fait plaisir! Limite, le MOC il marque plus que le BU dans cette tactique, c'est trop bizarre! Oh oui! Allez, Muriel! Magnifique la contre-attaque. T'as une deuxième chance. Voilà, cette fois-ci tu la mets au fond. Cette fois-ci tu la mets au fond, Muriel. J'ai tiré un tout petit peu trop tôt, peut-être. Voilà, ça quitte. 12e match remporté. On sent que le niveau est de plus en plus haut, mais on est toujours là. Toujours présent, on continue à marquer des buts. On se prend pas beaucoup de buts. C'est le principal et voilà, on continue. Hein. C'est vrai que Saponara, très très fort en MOC. C'est bien, la machine est en route. On a 12 matchs en défaite. Je rappelle que mon record est à 25 si je me trompe pas. Donc on va faire ce qu'on peut, on va continuer. L'épisode est maintenant terminé. 12 matchs, 12 victoires. Lâche un pouce bleu pour m'encourager. Un commentaire pour me donner ton avis sur mon équipe. Allez, à très vite, c'est Vinsky, tu connais la musique. Peace and game.